follow me to one of the most remote places on Earth, the Cégep Bois de Boulogne. Located at 45 degrees north of the equator and 75 degrees west of the Greenwich Meridian, this massive concrete forest is home to 2,700 souls. The climate is quite unstable, ranging from 10 below zero to a whopping 45 degrees Celsius of bone-sweating heat. We gotta be careful. This place is very dangerous. It's filled with hardcore extremists. Follow me. If you happen to come by 10500 Bois de Boulogne Avenue, be prepared for the worst. Let's stop here. Take a look at this sign. It's written normal, but there's nothing normal about this place. Look at this place. It's pure madness. It's filled with hungry beasts. If one tries to steal my grades, I'll stab him with this knife. But we still have to cross this thing. Let's take this narrow path. Follow me. I just found food. Wanna be my breakfast. It's hot! Re-bienvenue à la gare des flancs. Je vous rappelle les règlements, ils vont comme suit. Les robots devront ramasser les pièces de jeu et les insérer dans les trous prévus à cet effet dans l'un ou l'autre des panneaux de pointage disposés d'un côté ou de l'autre du terrain de jeu. Il peut entrer plusieurs pièces de jeu dans un seul trou. Bien que toutes les pièces comptent pour le pointage, le multiplicateur, lui, ne tient compte que des pièces en avant-plan, soit les dernières insérées. Les équipes devront construire le plus grand triangle possible avec les pièces d'avant-plan pour influencer leur multiplicateur. Pour ce qui est des équipes, il y aura deux robots dans l'équipe jaune et deux robots dans l'équipe bleue. Les équipes changeront de joute en joute. Le but de chaque équipe est de compter le nombre maximal de points. Les pièces de jeu, chacun des 10 trous de chacun des panneaux de pointage mesure 3 unités de longueur, UL, de profondeur. Les pièces de jeu sont cylindriques, bleues ou jaunes, et ont 3 longueurs différentes, 1 UL, 2 UL, 3 UL, haha! Chaque robot peut commencer la partie avec 2 pièces de 2 UL chargées sur le robot. Le terrain de jeu est un grand rectangle. Il y a un panneau de pointage de chaque côté du terrain, ils n'appartiennent à aucune équipe. Une porte tournante est située au centre du terrain, et les pièces de jeu commencent la partie sur des poteaux fixés à des pentes sur le bord du terrain. Des questions? C'est pas ça. Première question! Je t'ai montré la batterie tout à l'heure, c'est longtemps perdu. Et où? Fin? Tu me niaises, là, je te l'ai donné tout à l'heure. Il y a des camps de voir, là. La batterie est là-bas. Tu as-tu trouvé? Oui, j'ai branché la batterie. Ben non, il faut brancher. C'était ton plus beau trou. Ah, il est branché là. Mais allez. Quoi, porte seul. Il n'y a pas de switch. Mais non, mais c'est notre budget. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 5. Bon, ça marche pas en plus. Non, mais ça marchait, je te jure, ça marchait. Pour l'instant, tout se passe super bien. L'aventure va... Tout va pour le mieux. Il n'y a rien à dire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais ranger la mousse. Tu vas tout péter! Ça marche, là, j'ai des trous, check! Faut juste que tu ailles de l'expérience. C'est pas moi qui les a faites, les trous. Justement, celui qui avait avant toi, il était capable de les faire. C'est juste toi qui n'es pas capable de les faire, tu me niaises? Respire, Yannick, respire. Puis comment ça va avec Yannick? Avec Yannick, le problème, c'est lui, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à dire sur mon compte, là. Moi, je fais tout ce qu'il faut. Veux-tu qu'on appelle un professionnel? Si t'as pas l'air d'être un professionnel, mettons. Je suis tanné de Nick, là. Il est tout le temps dans le chemin, il est incompétent, puis il donne des conseils de marde. This episode, our 30th of the season, and for the occasion, we have a very special guest, Rogatien. An absolute genius when it comes to robotics, an innovator, a creator, and also the inventor of his famous robot, Carl. This robot has a unique bidirectional rolling system, as well as a thoroughly developed and also patented revolver offloading mechanism for pool noodles. Now tell me, Rogatien, how hard was it to fit pool noodles in a robot? Hi, my name is Rogatien. What else would I say? I am 42 years old and I love cook. Well,